Eh ben, bonjour tout le monde, ça fait du bien de vous revoir. Donc, après, c'est une grande vacance pour Rémi. Non, je rigole, des petites vacances, hein. Petite semaine, ça passe vite, hein. Donc voilà, allez, alors, je voulais faire déjà un bisou à une souricette. Qui a, Rémi, en le ramenant, là, il m'a montré, là, dans la voiture. Je la connais bien, donc on va pas dire son prénom, mais elle va se reconnaître. Elle a prêté un livre à Rémi pour faire un conseil de lecture. Elle a dit que c'était un super livre. Donc, moi, je vais montrer la preuve que j'allais le livre et je lui fais un gros bisou. Voilà, gros bisou pour toi et puis pour ta famille. Et puis, ben, comme je n'avais pas de nouvelles depuis une petite semaine, ben, avec Rémi, j'ai eu des nouvelles. Ça m'a fait plaisir. Voilà, allez, donc, on y va. Donc, on commence. Mon téléphone, il est là. Donc, la souris. Oh, il faut que je te donne le titre, Rémi. Alors. C'est une chanson de André Rimbourg. Alors les anciens, ils savent qui c'est André Rimbourg. Par contre, peut-être les jeunes moins. Donc André Rimbourg, c'était Bourvil. Donc c'est une belle chanson. Moi, je vais pas chanter, mais c'est les paroles qu'il faut écouter, hein. Voilà. Donc André Rimbourg, un Normand. Voilà. Donc la cuisine au beurre avec Bourvil et voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans un commentaire. J'ai regardé sur YouTube. Allez la voir cette chanson, hein. Allez la voir, la chanson c'est La tendresse Bourvil. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a dit, et ça moi je crois que c'est vrai, eh ben Bourvil c'est un ange passe. Voilà. Donc on y va. Voilà, un ange passe. C'était un ange. Il avait quelque chose, il est mort jeune, il est mort à 50 ans. Voilà. Donc on y va. On peut vivre sans richesse. Presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Ça, c'est vrai. J'aime bien cette phrase. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire. Et s'en trouver bien. Mais vive sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long, 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 le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses. Mais nous éblouir, oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable. Broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs. Des torrents de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Voilà. Eh ben, allez le revoir. Vous faites la tendresse sur YouYou, la tendresse Bourvil. Voilà. Et vous verrez, parce que moi, je fais ça à ma manière, mais lui, c'était un ange. Voilà. Allez. Eh ben, ça fait. Voilà, c'était pour mettre un petit peu de baume au cœur. Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup trop de misère. Il faut essayer de. Les fêtes de Noël arrivent, bah, il faut tenir et tenez bon, comme j'avais marqué sur mon panneau, pour que. Essayons de passer avec les peu de moyens qu'on a. Mais bon. Moi, avec ma femme, ça y est. Bon, je sais que Rémi, il n'aime pas ça. On a acheté 3 petits carrés de foie gras. Mais il est tout petit, hein. Ça coûte 3,50 €. Bah, quand on prend 3, ça fait 10. Bah, on va être content, on va faire griller des trucs. Bah, on est heureux. Faut pas grand-chose.
Hein? Il n'y a pas besoin d'avoir du caviar à la louche. Voilà. Plus deux, trois petits trucs. Et voilà, on va se faire un petit réveillon. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça fait des années, moi, j'étais célibataire. J'étais tout seul chez moi. Ben, je m'en foutais, en fait. Les gens, des fois, on se sent malheureux parce qu'on est seul. Alors souvent, on dit, il faut penser aux gens seuls et tout. En fait, il faut être bien avec soi-même. Voilà. Et j'ai mon pote de plus de 40 ans qui me dit, des fois, il est tout seul chez lui, dans son pavillon, avec qui j'avais fait le Paris-Dakar. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est marrant, des fois, je pense à des trucs et je rigole tout seul. Je lui dis, ben, on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même. Voilà. Et si vous êtes une femme, ne vous dites pas, oh, ben, j'ai pas d'homme, ça serait peut-être lui mon sauveur. Ou si vous êtes un homme, vous dites, ah, ben, il me faudrait une femme. Il faut déjà être bien avec soi, s'aimer soi-même, et comme ça, on pourrait aimer les autres. Enfin, voilà. Ben, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Mais bon, on fait comme on peut. Enfin, moi, je fais comme je peux et j'espère que ben, ça fait un peu de bien. Voilà, allez, ben je vous fais un gros bisou. Et puis normalement, taco la semaine prochaine à 16h. Voilà, allez, et ben bon week-end. Bisous à tous.